Voilà, hein. Ah, vous inquiétez pas. Ça va être un titre un peu étrange. Ah mon Dieu. Bon. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout de suite hein, les choses qui sont permis et non permis. Oh, c'est quoi? Ah, vous savez ce que j'ai remarqué? On pinaise. Je sais pas ce qu'il fait là, on pinaise. Ah, on pinaise. Que pinaise, poeira. Alors, il faut aimer les choses, il faut aimer l'évolution, il faut adorer, il faut se adorer. Donc, moi, je suis que pour vous-même. Si vous savez la vérité, c'est que, tout simplement, en tant qu'animation, j'anime des animations. De temps en temps, j'aime bien déconner un peu. Il faut essayer d'aimer les choses, hein, parce que, vous savez, les animations, c'est quelque chose d'extraordinaire, non? Vous ne pensez pas? Eh ben voilà, je ne ferai pas de direct. En ce moment, ça fait beaucoup de vidéos que je n'ai pas fait le live. Donc, je vais voir. J'espère que je pourrai en faire une prochaine fois. Bon, voilà. Alors là, aujourd'hui, je parle avec mon micro. Ah, Colichon, hein? Non, pas Colichon. Hein. Bah écoutez, ça va aller tout doucement. Et vous allez voir que ça va être bordel. Oh. Eh oui, quand les gens... Dommage. Voilà. Allez, je vous remercie. À tout à l'heure. À la prochaine. Donc, voilà, voilà, voilà. Je rapproche un peu le micro. Eh oui. Alors, ce que je viens de vous faire montrer, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Hein, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose de compréhensible. Alors, hop, on met toujours les amplis à zéro quand on a fini. Donc voilà. Alors, vous voyez, ce que je vous fais montrer aujourd'hui, c'est tout simplement mon idée. Mon idée. Ah, mon idée, tiens. Peut-être allumer un autre. Et oui, mon idée, c'est que il faut être, comment dire, il faut être aimable avec les personnes. Faut pas les prendre pour moins que rien. Mais il y en a des personnes, et ça j'en dis la cause, parce que je vois beaucoup de personnes qui se la roulent les mécaniques. Je sais pas pourquoi, ça sert à quoi, franchement, moi, ça m'intéresse même pas. Donc, oui, j'ai envie de faire des choses, oui, je suis chasseur. Donc, une petite vidéo. Pourquoi je fais plus de direct? Parce que j'ai plus envie, voilà. Non, il y a un petit problème technique, je vais voir si je peux le faire. Donc là, j'ai allumé mon jeu de lumière, j'ai allumé deux, donc voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas normal. Je parle à mon truc, vous voyez. Donc voilà, là, je vais vous faire montrer, hein. Regardez. Hop. Voilà, vous voyez. Et si vous ne me croyez pas, donc... cristal pâle, cristal balle, il est là. Vous voyez, c'est cristal balle. Il est en cristal balle, il est pas mal. C'est vrai qu'il est bien, il est très bien. Mais personnellement, moi, j'aime tous les jeux de lumière. Mais il y a un jeu de lumière que j'aime beaucoup. C'est un jeu de lumière, il est rangé à la cave. C'est un jeu de lumière des formats des années 80, mais en LED. Je trouve que c'est très bien. C'est très bien, moi je trouve que c'est pas mal. Je l'ai mis à la cave parce que je ne voulais pas l'utiliser. Je ne voulais pas l'utiliser parce que le petit défaut dans ces jeux de lumière-là, c'est qu'on ne peut pas les suspendre comme on veut.
Donc c'est un peu dommage, mais sinon, voilà, j'ai pas mal de jeux de lumière, j'essaie de m'améliorer en jeux de lumière, en tout. Donc, pourquoi se lamenter? C'est des appareils, c'est pas un rat. Par contre, ce que j'aime pas dans certaines personnes, en se roulant les mécaniques, ils savent tout faire. Vraiment tout faire. Il sait tout faire. Site internet, DJ, il est quoi encore? Il sait faire quoi encore ce petit bonhomme? Il sait faire aussi. Oh punaise. Ah, c'est vrai. Il sait construire une voiture, je ne sais pas. Je me pose des questions s'il est un peu marboule. Faire un site internet, c'est vrai que ça a la portée des gens, mais en réalité, pour après. Faire un site internet pour approcher beaucoup de public, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on fait un site de voiture, un site de ce qu'on aime quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne va y intéresser. Alors, partenarial, surtout quand on n'est pas déclaré, alors là, partenarial, tu peux te le mettre au... à la gamelle, hein. Alors un partenariat, déjà que j'étais déclaré, c'était hyper dur d'être partenarial, surtout envers Renault. Donc oui, j'ai eu un partenaire qui m'a fait une application incroyable, des yeux de la tête, 5000 euros. Et bien depuis, l'application, elle existe toujours, mais on ne s'occupe plus. Pourquoi? Parce que c'est une escroquerie derrière, et ça, il faut comprendre. J'ai pas dit que une application c'est une escroquerie, non. Il y a des commerçants, des commerces forcés, j'en connais plein même, comme EcoBureau par exemple, c'est les premiers à téléphoner. Oui, bonjour, voilà, j'ai remarqué que vous avez une HP Smart, je vous propose de l'encre de très bonne qualité, blablabla. T'as envie de dire merde au téléphone, hein, il y a des moments. Hein. Après, il y a l'application AppsVision. Alors là, AppsVision, c'était allô, oui, on va devenir partenariat, pour faire conseil de l'application, tout un blabla. Alors, l'application AppsVision, elle est en justice. D'accord, la société, elle est en justice. Elle est en justice parce que je suis toujours en contact avec la personne qui a déposé plainte pour escroquerie. Pourquoi? Parce que c'est du baratin. Ce n'est pas du vrai travail, c'est du baratin. Comme mon application Digital Numéro 3, qu'est-ce que j'ai gagné comme client là-dedans? J'ai gagné zéro. Par contre, du téléchargement, je suis arrivé à 200 téléchargements. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'affaire. Il y a normalement une application, c'est fait pour avoir de la clientèle. Eh ben non. Ça, c'est des trucs trop étranges. Et c'est étonnant. Et ça, on ne voit pas. Mais il y en a plein. Il y a plein de choses comme ça. Il y a trop de trucs étranges qu'on ne veut pas nous avouer les choses. Parce que on ne nous dira jamais. Mais il y en a plein d'escroqueries. Les sociétés, combien elles se font escroquer? Il y en a plein, plein de sociétés. Parce que c'est des petits pèlerins qui recherchent de faire construire du blad, en fin de compte, en épuisant. C'est comme ça qu'on peut couler aussi une société. Surtout quand on a à peine démarré. Moi, les partenariats, ce n'était pas une question d'argent. C'était, voilà, j'achète leur voiture, eux, ils me font ma publicité. C'est ça le but du jeu. Ce que j'étais en train de faire. Donc, bien sûr, partenarial, attention, c'est un document. Hein, c'est un document, on va prendre un document à la con. Hein, on va dire que ça, c'est un document. Voilà, on va dire que ça, c'est un document. Hein, qui est bien écrit, bien noir sur blanc sur le côté, là. Toi. Et qu'on signe ici. Là. Ça, c'est du partenarial. Ah, si vous voulez même un peu plus, hein, je peux prendre un document comme celui-ci par exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est pas un document de partenariat, c'est un avoir, mais c'est pour vous faire comprendre partenariat ce que c'est.
D'accord, ce n'est pas... Voilà. Donc, de l'escroquerie, pas de publicité. Il y a une société qui s'est intéressée à nous. Nous, on a dit stop direct parce que on est en train de fermer les portières. Donc, on a fermé la porte. Ça nous a mis les clous au bout, qui m'a un peu dégoûté. Mais je ne me décourage pas parce que j'envisage d'ouvrir autre chose qui est plus différent. Donc voilà, qui est beaucoup plus différent. Et cette petite chose, je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai que au bon moment, parce que c'est quelque chose de très 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 simple à ouvrir, comme mon association que j'ai ouverte, mais beaucoup plus simple, tout simplement. Tout sera en système bénévole, donc voilà. Voilà. Voilà, je éteins quand même un petit truc. Voilà, éteins quand même un petit truc. Donc, en gros, je vais faire des choses. Vous allez voir. Et pour autre chose, je n'aurai pas de ciré, donc je ne vais pas prendre de ciré. Ça ne sert à rien, parce que après, ça va être une catastrophe. Donc, ça va être pour autre chose. Donc, je vais ouvrir un système assez intéressant, assez alléchant à la base, mais que sera sur le territoire de Mantes-la-Jolie et pas ailleurs. On va pas aller à Perpète-les-Ouaves pour des abrutis qui comprennent pas. Voilà. Donc, bien sûr, pour Scratch Music, ESAT Scratch Music, là, c'est quelque chose qui est officiel, qu'on sera obligé de faire. Voilà. Et si tout va bien, j'arrive à avoir le groupe, le personnel, et bien là, on va faire un effort. Tout simplement, je vais faire un effort. Pourquoi ? Il y aura un effort parce que là, ça va être déclaré, là, ça va être ceci, ça va être cela, mais ça n'a rien à voir avec moi-même. Donc voilà, ça va être le président qui va s'occuper de tout ça. Moi, je serai que directeur. Donc, c'est ma fonction que je compte avoir. Je ne vais plus prendre la fonction de président parce que je gagne rien. C'est pas juste. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Bah, écoutez. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, j'éteins la lumière. Je serai dans le noir. Voilà, je serai dans le noir.